Font inventer des nouvelles manières de conserver l'eau en ville, de réussir à monter des projets de jardins et de fontaines et de trouver des espaces dans la ville aujourd'hui où il serait possible de faire remonter l'eau en surface pour créer des nouveaux jardins contemporains. J'ai découvert donc un réseau abandonné d'irrigation d'eau qui s'appelle le Kanat, qui est à la fondation de toute la civilisation iranienne et qui, à Téhéran, avait été abandonné dans les années 60. En fait, le contexte géographique fait qu'il y a des chaînes de montagnes très très hautes qui montent à 5000 mètres d'altitude. La fonte des neiges crée à l'intérieur des failles sismiques des dépôts d'eau. Le Kanat, c'est ça, c'est une acquisition des eaux souterraines et une technique qui va apporter ces eaux souterraines en surface de manière passive. C'est à travers le Kanat que les premiers jardins ont été inventés. Le jardin, c'est la vie. C'est aussi le début de la maison, c'est le début de la ville. C'est-à-dire que le jardin, c'est la base. C'est vraiment une infrastructure qui a été délaissée. Les habitants ont perdu complètement la relation qu'ils pouvaient avoir, eux, directement avec leur infrastructure. Et c'est entre l'archéologie, l'investigation, la régénération, et puis voilà, se connecter aux savoirs ancestraux pour imaginer le futur. Quand on est architecte, on est dans la projection. Il y a eu tout un travail cartographique autour de, donc des jardins historiques qui étaient connectés auparavant au Kanat. Donc c'est vraiment utiliser le Kanat comme outil de lecture pour comprendre la ville et pour comprendre où étaient les points où l'eau pouvait être conservée en surface. C'est une fontaine qui va épurer l'eau et donner de l'eau potable de très haute qualité par un système de filtration avec de la céramique augmentée. Donc en fait, c'est de la céramique qui est mélangée à de la poudre d'argent. Avec cette technique, on peut même éliminer les déchets biologiques. C'est une fontaine qui fait 14 mètres de haut, qui est aussi en même temps sur son extérieur plantée de plantes filtrantes aussi. Donc ça devient aussi un îlot de fraîcheur.